danser, moi. Puis le tango, c'est tellement beau. Je suis pas venue ici pour danser, par exemple. Là. Je suis venue voir Cynthia, vous savez, mon personnage qui veut maigrir. C'est parce que ça se montre pas à l'inauguration du cours de danse là, de Jocelyn Pinini. Eh bien, je sais pas comment Gilbert va s'arranger. Ils sont supposés gagner un voyage d'amoureux pour Miami. Gilbert, étais-tu payé billet d'avion? Oui, payé ce soir. Pas peur. Pourquoi qu'on soit prêts avec ces billets-là, nous autres? Pour y aller, nous autres, en voyage d'amoureux, nous deux. Miami? C'est pas pour nous autres, ça. Nous autres, quand on va partir en voyage, là. Merci. Je veux pas y aller. Qui je vois? Ta soeur. Quoi, ma soeur? Ta soeur. Je sais pas comment tu fais de pas avoir. Oh, c'est bien elle. Ça arrive en retard pour se faire remarquer. Allô, Diane! Tiffin est venue. J'aurais pas manqué ça pour tout l'heure du monde. Tu sais comment j'aime les parties? Salut, Jocelyn. Salut. Tu danses pas avec Manuelo? Oh, toi. Allô, Jocelyn. Salut, Diane. Oh, merci. Oh, c'est bon, ça, c'est sucré. Bon, mais à l'école? Ouais. Un tango. Il va y avoir un tirage. J'ai écrit ton nom. Oui. Tu vas installer, Jocelyne? Ouais! Trop le fun. Trop le fun, je m'abonne. Hey, tu penses ça? Ça serait bien la danse. C'est supposé sculpter le corps. Sculpter, moi, ça ne marcherait pas. Non, moi, c'est plutôt raboté. Arrête de me parler de ton poids, là. Je suis pas sous mon poids, moi. Tu n'as pas de poids. Mais tu vois ça? Ben, j'essaie de graisser. Une autre fois, je m'en vais m'acheter un jeans, là. Mais j'essaie, un 5 ans, il faisait pas. Mais, regarde ça. Faut toujours que tu m'écartes, hein. Mais c'est vrai. Mais j'ai pris 2 livres. J'ai pas le droit d'en graisser, moi. Juste toi. Bon, ben, hey. Ah, ben, ça va. Viens, on va danser, ça a l'air le fun. Je suis pas ta mère, je sais pas danser. Ça va être le fun, ouais. Il est le bon de nous regarder, là. Ouais, ça me tente. Ouais, viens, on va essayer ça. C'est ça. Tango, je le danse à deux. Une femme, c'est pas ça qui manque ici. Ben, viens. Signor, toi, si tu réussis à faire sortir de sa chaise, ben, je veux dire, elle veut jamais danser. Je sens que vous avez tout pour le tango. Le feu, la passion, la sensualité. À deux. C'est ça, toi? Je l'avais pas dit, mais je pensais que pour le sort du soleil, ça lui manque un éléphant qui danse le tango. Oh, t'es pas drôle, Diane. Thank you.
reprendre votre souffle. On va procéder tout de suite au tirage. Un voyage à Miami. Une gracieuseté de l'école de danse Jocelyn. Et Mimi. Alors, pour procéder au tirage, je vais demander à une charmante jeune femme. Merci. Il est fin, hein? Oui, une charmante jeune femme qui, comme par hasard, se trouve être mon épouse Nini. Et son associé. Oui. Alors, l'heureux gagnant est... Ou l'heureuse gagnante est... L'heureux gagnant est... Gilbert Beaupré! J'ai gagné! Comment t'as fait ça? Ah, c'est à ton nom sur tous les papiers. C'est mon idée. Faut que j'aille rejoindre Diane. Elle fait un point, là. On va vous le voir, tu sais, ben. Non, c'est dans le sang. C'est une affaire de nuit, je vous le dis, elle n'est jamais refusée. Tu t'es arrangé, hein. Quoi, merci, hein. Merci. Je te vois tout à l'heure, puis je te donne le chèque, OK? À moi. Ben, aux deux. Le chèque aux deux. C'est une idée, où est-ce qu'elle doit être? Moi, j'ai pas d'idée. Oh, je sais. C'est pas comme ça, voyons, là. Il n'y a jamais moyen de te faire plaisir, toi. Toi, là, tu pourrais te promener tout nu sur une plage, tu serais content. Mais pas moi. Ça fait que voyage gratuit ou pas, j'y vais pas. Tu peux aller leur dire que même s'ils me payaient pour y aller, j'irais pas. S'ils vont me faire traiter d'éléphant à Montréal, puis j'irais pas me faire traiter de baleine à la mer. Diane. Diane, attends. Attends, Diane. C'est vrai, Diane. Surveille tes paroles. Maman, tu me récompensais quand je mangeais, puis tu me punissais quand je mangeais pas. Te dire j'ai pas fait, tu me prenais personnel. Comme si t'étais du manger, puis que je te le crachais en pleine face. C'est pareil, maman. Pour toi, là, t'as la preuve vivante que je t'ai gavé, ouais. Pas moi, parce que j'ai résisté. Lui? Hey, fais pas chier, Kenoï, OK? Oui, mais... Moi, ma petite fille, j'étais élevée, là. Aimer, c'est donner à manger. Ma mère est comme ça, sa mère était comme ça. Mais ça, moi, t'en as de mes rêves, ça, hein? Ma soeur, là. Tu l'as pas obligé à manger, elle. Je m'en souviens très bien quand t'es née. Quand t'es née. Elle tenait dans ma main, vous savez. On lui donnait son lait au compte-goutte pour petite crotte. Pour moi? Non, mais je faisais pitié. Non, mais toi, Diane, là, t'es née affamée. Ta mère te donnait le sein à 2 ans et demi, c'est ça? Après 2 ans et demi, là, c'est étonné de te donner le sein, puis à se goûter aux patates pilées. Patates pilées à viande, patates pilées au macaroni, patates pilées au gâteau. Fallait que ça glisse pour que ça rentre. Quand ça me disait... Ça rendrait. C'est de là que ça vient, les patates pilées de maman. Ouais. Ouais, ben écoute, là, ta sœur refusait son lait. Ben toi, tu te bourrais. Prends les moyens qu'on peut pour attirer l'amour. Ouais. C'est tellement moi, ça. Non, mais c'est vrai, moi, je suis pareil. Oh, c'est tellement. Oh! Hey, oh! Un beau sang gâteau à la Charlot. Wow. C'est facile encore faire attention avec vous autres. Quoi? Les Thibault. Hey, Diane, viens goûter au gâteau du petit, voyons. Faut l'encourager. Laisse-toi tranquille, toi. Le petit, là. Si on veut pas qu'on l'appelle le gros. Oh, pis... C'est tant qu'à laver notre linge sale en famille, là. Envoyez pour la grosse brassée. Carole, laisse-toi. Ben là. Moi, là, je veux pas que Charlot soit comme moi. C'est ce que je veux pas, qu'il soit malheureux. On est dans un monde qui haït les gros. Être gros, là, c'est pire qu'être juif. C'est pire qu'être noir. Quand t'es gros, là, hein,
Faut que tu sois paresseux. Humain. Ça se dit pas, un petit paresseux. Puis il faut que tu sois stupide. Qu'est-ce qu'on dit? Un gros épais. Puis surtout, là, t'as personne pour t'aimer. Y a personne qui veut t'aimer. Hey, ça, c'est pas vrai, OK? Non, j'ai toujours été là, puis tu peux pas dire le contraire. Judas a raison, là, hein, t'exagères. Hey, toi, là. L'année passée, là, à l'école de Charlot, ils ont demandé aux jeunes garçons s'aimeraient mieux sortir avec une grosse ah ben handicapée. Ben, ils ont répondu handicapée pour la plupart. Fait que demandez-vous pas pourquoi je veux pas que le petit soit gros. Bon, hey, qui c'est qui veut goûter à mon chef-d'œuvre? C'est moi, un peu! Ah ben, j'en viens pas, moi! Dans cette maison-là, tout tourne autour de la nourriture tout le temps. Eh, c'est pas fatigant un peu, ça, là? On pourrait-tu parler d'autre chose? Mais c'est que non, votre père, si vous êtes pas content! Hey! Ah, la cerise sur le sundae, attendez, attendez. Non. Je vais y aller, je vais... Heureusement qu'il y en a des... Mais t'es décourageante, toi. T'as rien à faire avec moi, tu sais. J'suis un monstre. Moi, dans ma tête, t'as tout pour être heureuse. T'as une maison, t'as des enfants, t'as encore tes parents, t'as un mari qui t'aime. Je t'aime. Je te crois pas. J'suis un tort. Tu peux pas aimer un tort. Je trouve un moyen de détourner, t'amener au soleil. Qu'est-ce que je récolte? De la marde. Le tirage, t'es tout. Ouais. J'ai arrangé avec Jocelyn Vignini. Je dis, voyage gratis, ça ne dira pas non. Tu sais, le gratis, tu capotes là-dessus. T'es fait avec moi. Je mérite pas ça. Ouais. Sois fine, toi aussi, des fois. C'est pas ce que c'est, toi, la plage pour une grosse. Le monde te regarde comme si c'était une attraction de cirque. Ben, justement. À Miami, tu seras pas tout seul, c'est le cirque. Juste te dire, Diane, tu viens à Miami avec moi ou bien ça va mal aller dans le couple. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le gars comprend, puis à un moment donné, il comprend qu'il faut qu'il sacque son camp. Tu viens à Miami avec moi, OK? OK. Si je me trouve un costume de bain? Mais trouve-toi-en un, puis vite. Il dit qu'on ne tient pas sa taille, mais je ne crois pas. On habille les femmes normales, Sylvie. Normal pour son poids? Mais c'est son poids qui n'est pas normal d'abord. Ça a juste à maigrir. Moi, là, j'aurais quelques livres en trop. Je ferais un régime, quelque chose. En tout cas, j'y perdrais, puis vite. Pas facile à faire pour elle, ça a l'air. Franchement. Il y a des magasins pour eux autres. Pourquoi pas des quartiers pour nous autres, hein? Puis des rues spécialisées pour les grosses. Avec des trottoirs extra larges. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Comme ça, on fera pas honte à personne, hein? Il y a la maison des nains. Il y a la maison des grosses. Hein? Fais bien attention à toi, la petite. Parce que les gens qu'on met dans le ghetto, là, 4-5... Oh, pis la maudite cabine d'essayage. T'es là, tout nu, là, avec tes bonnilons trois quarts. Pis la première constatation que tu fais, c'est pas que t'es rose, non. C'est que t'es vert. Oh, oui, chez vous, t'es rose. Mais là, t'es vert. Là, t'as quatre beaux costumes de bain, c'est super. Là, t'en prends un, tu le laisses. Oups, il dépense pas les jeux. T'as beau tirer dessus, là, il est bloqué, là. Fait que tu l'enlèves, puis tu prends le deuxième, tu le... Il se rend jusqu'à la table. Mais là, ça va pas plus haut. Tu tires, ta pousse, d'abord, puis l'autre écrasé. Il n'y a rien à faire. Le bas fait, mais le haut fait pas. Fait que tu l'enlèves, puis tu prends le troisième. Tu le prends solidement, là. Puis, il te reste des mains. Fait que là, tu
l'enlèves bien délicatement, tu le remets en arrière des trois autres, puis tu dis à la vendeuse, mademoiselle, je prendrai quatre autres costumes de bain, s'il vous plaît. Après 20 costumes de bain, là, tu sors de là, tu veux chier. Hey, moi, j'ai réglé ça, ce problème-là. Je me baigne plus. Non, non, jamais. Juste dans mon bain. Il n'y a pas un chrétien qui va rentrer dans la chambre de bain. Même pas mon chum. Hein? T'as un chum? Ben, quand je vais en avoir un, là. Moi, là. Ah, ben toi, chale-nous pas, là, t'es même pas gros. Moi, je suis énorme. Énorme, Kay, regarde ça, et cette Kay. Non, mais je le sais, je suis peut-être moins grosse que vous autres, là, mais... Ben, mon mari, là, les filles, il faut absolument que je rentre dans une petite ring, OK? Sinon, là... Hey, qu'il se regarde donc, lui, avec son pote de bière. Ouais, franchement, mon Dieu, une chance qu'il entend pas ça. Monsieur, il dit que ça se compare pas. Lui, il prend quelques livres, là, il est costaud. Et moi, je suis gros. Ah, ouais, ça. Là, lui, il a parlé de m'amener en Floride cet hiver, hein? Bon, ben là, il faut absolument que je rentre dans une petite ring comme il aime, là, sinon, je... Hey, moi là, c'est ce que je fais pour avoir l'air moins grosse à la plage? Je me spotte deux, trois grosses toutounes, là, hein? Puis je vais m'étendre à côté d'eux autres. J'ai l'air réceptive! Il y a une bonne raison pour aller en Floride. J'ai pas envie de me retrouver là, au milieu d'un tas de grosses toutounes. Moi, j'aime ça, les grosses! Hé, les filles, moi, là, ouais. Mon bikini, là, deux petites capsules de bière, là, puis un petit bouchon de liège, là, c'est trop grand, ça tombe! Suite à ces protestations, ils ont donc été rebranchés en après-midi pour des raisons dites humanitaires. Patrick Durand, Radio-Canada, Montréal. Hey! Écoute mes nouvelles, là. Tu dormais. J'entends pareil. Je veux te parler. C'est sérieux. Ça m'insulte quand je te parle puis que t'écoutes les nouvelles. J'écoute pas, je regarde. Regarde-moi, là. J'ai pas trouvé de costume de bain. T'as pas trouvé de costume de bain dans aucun magasin de Montréal et de la banlieue? J'en ai essayé 40, il n'y en a pas un qui me faisait. Tu me feras pas croire qu'il n'y a pas un magasin qui fournit les... Les quoi? On va dire les éléphants? Mais non, non, les femmes comme toi. J'ai lu ça dans le journal. Des magasins spécialisés. Là. Oh ben, je vais pas me retrouver là, dans un magasin pour grosses. On est toutes là assaisées, là, pour en trouver une pire que nous autres. Je suis vraiment honte, moi. J'irai pas m'humilier à... Tu sais ce que ça veut dire si tu viens pas à Miami avec moi, hein? Non, je sais pas ce que ça veut dire. Je suis un gars patient, OK? J'attends la goutte qui déborde. Mais là, si tu trouves pas de costume de bain, c'est la goutte. Les billets, je les ai payés, ça. Si tu veux pas que j'aille à Miami avec une autre, trouve-toi quelque chose à te mettre sur le dos. Une tente, une bâche de camion, un abri tempo, quelque chose! Hey! Les farces sur ma grosseur, là, j'ai fait moi-même, OK? Je le prends pas des autres, puis encore moins de toi, Gilbert Beaupré. Ça te tombe quand avec une autre, c'est ça que tu veux? Ah oui, ça te tombe quand? Tu seras pas la première personne qui se tanne de moi. Va-t'en, ouais, décompte! Je vais pouvoir ta face de grand sacrifié parce qu'il vient avec une grosse... Mais voilà que je te sens du moi-même! Tiens, ça va... Ah! 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 C'est peut-être grosse, mais je suis plus fort que toi, OK? Dis-le! Je veux pas qu'on se sépare, tu penses bien. Je voudrais juste que tu sois heureuse des fois. J'aimerais ça te faire plaisir des petites fois. Hein? Mais non, tu vas me dire qu'il y a juste la nourriture qui te rend de bonne humeur. Pas sûr que si t'avais le choix entre moi et un galop de crème à la glace, c'est moi qui choisirais. La crème à la glace, là. Elle attend rien de moi. Elle me demande rien en retour. Elle est toujours là pour me consoler. Je sais à quoi m'attendre avec elle, la crème à la glace.
La crème anglaise, ça me menace pas de partir avec une autre, elle! Oui, ah oui. La nourriture, ça te fait engraisser, puis là, tu capotes, faut que je maigrisse, ça finit plus, je suis tanné! Je vais maigrir. Je te le promets. Je vais revenir à 120 livres, puis tu vas être fière de moi. On va être comme avant, on va être heureux, tu vas voir. Puis là, on va y aller à Miami. Puis tu vas pouvoir me montrer en bikini à tout le monde. Puis tu vas être fière de moi. Ça fait 25 ans que tu dis que tu vas maigrir. Ça se peut pas, t'es faite de même. Je m'aime pas comme ça. Tu viens à Miami, OK? Non. Tête de cochon, toi. Que je l'aime pas, hein. Je suis capable d'en durer. J'avais un chum gambler. Lui, son obsession, c'était le jeu. Il voit plus. T'avais pas d'enfant avec le gambler. Il s'occupe bien plus de sa graisse que de son mari. Il mange pas, toi? Oh, je suis rentrée. Moi, quand ça rentre plus, là, ça rentre plus. Tiens. Je t'ai invité à dîner ici, là. Ben, est-ce qu'il faut bien que je le dise à quelqu'un? Mon cousin du meuble ferme ses portes. J'ai plus de contrat de livraison. Trouve-toi. Mais tu sais bien que tu vas t'en trouver d'autres. Un gars vaillant comme toi, là. Un bon gars. Puis travaillant. Avec quand? Il y a une hypothèque à payer. Il me reste des paiements sur le camion. Les études de Carole. Et le cours de cuisine de Charlot. Puis Diane. Le linge de grosse, ça coûte le double. T'es pas chanceux. Oh, si tu veux faire des sous, là, nous autres, il nous manque des danseurs. Bon, tu des filles. Bon. Je te laisse où? Chez vous, à l'école de danse? Tu veux. Entrez. Vous avez perdu 45 livres. Wow! Bravo! Je suis avec vous dans 2 minutes. Mais bien sûr, je vous envoie tout ça tout de suite. Tant que vous allez prendre Biomince, c'est sûr que vous allez perdre. Oui, oui, j'ai votre adresse. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Josée. Ma secrétaire s'est pas présentée ce matin. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai lu votre annonce dans le journal. Si vous n'arrivez pas à maigrir... Je mets le répondeur. On va parler entre femmes. C'est fou,
ça? Moi, madame, je pesais plus que vous avant de prendre Biomince. J'étais obèse. J'ai vu tous les médecins. Obésologue, qui s'appelle? Ça marchait pas. Je perdais du poids, je reprenais tout le temps. Et depuis l'âge de 14 ans, j'ai fait tous les régimes. 1000 calories, 800, 500, le régime aux œufs, aux pamplemousses, aux hot dogs, une saucisse le matin, le pain le soir. Maillot, Atkins, Fit for Life, Montignac, nommez-les, je les ai tous suivis. Moi aussi. Oh, on est toutes pareilles. Hein? Jusqu'au jour, j'étais en Amazonie. En safari photographique, j'ai rencontré un biologiste sorcier qui m'a fait prendre, pas des pilules, des gélules biologiques. Et mes kilos ont fondu comme neige en Afrique. Et puis, j'ai jamais repris. Il est mort. Et puis, il m'a légué sa recette. J'aurais pu la garder pour moi. Mais non. Quand je pense combien j'étais énorme. Un éléphant, madame. Oh. Et puis, comment je suis rendue? Vous étiez grosse comme moi, là. On se dit-tu? J'étais pire que toi. Je rentrais pas dans les sièges d'avion. Oh. Il me fallait une extension à la ceinture. Mais c'est quoi tes pilules, là? Ah, gélules. Ben, c'est un produit naturel biologique. Ben, ça le dit, hein? Biomince. C'est fait avec quoi? C'est un produit dérivé de la cosse d'haricot vert. Ah, c'est de la petite fève? Si on veut. Combiné à de la lomitine, de la bromaline, de la lécithine, plus de la vitamine PP et W. Ah. Alors, ça donne un produit qui stimule l'hormone brûleuse de graisse. Biomince pris seul est à 100% efficace. Mais s'il est pris avec des biosoupes, c'est magique. Ah oui? Écoute, je suis tellement sûre de ce que j'avance que si toi, dans un an, tu rentres pas dans un costume de bain de 10 ans, je te rembourse. Ah. Tu rembourses? C'est combien? Pas cher pour ce que ça va te rapporter en plaisir. Se promener nu devant son mari, se faire siffler dans la rue, s'acheter une petite robe dans un vrai magasin, danser, se trouver belle devant le miroir de la salle de bain. Tu vas voir. Tu vas être heureuse. Ben là, toi, là. Spaghetti carbonara, hein? Oui. Tu sais comment faire ça? Ben, facile. Tu prends juste un livre de recettes. Puis tiens-toi bien, hein? Pas fini, j'ai l'intention de faire toutes les recettes du livre. Ouais. Ah. Puis moi, je vais faire les desserts. Tu as des gâteaux là-dedans, Pat? Regarde le dernier chapitre. Franchement, on vous en route, là! Bon, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est sortie un matin, là. C'est grand-père qui l'a remplacée à boucher. Pas une raison de me faire la poudre parce que je prépare à souper. Je fais ça pour y faire plaisir. T'es pas contentable. Farlo. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ta mère? Je sais pas, on va lui demander. On va chercher ta soeur, là, on va manger. Ma soeur, elle mange pas celui-ci. Vas-y, j'en ai fait pour quatre. On va pas manger ça à deux, certains. Ben. Va. Toilette, là, pas l'air affûtée. Ça y arrive, ça. Bon, ça a l'air qu'on va manger sans trame, hein? All right! Pas obligé de manger pour elle, tu sais. Obligé. Pas si vite, tu goûtes à rien.
Bon pain. Manque peut-être un petit peu de bacon, mais on aurait pu rajouter aussi une coupe de champignons sautés dans le beurre avec ça, hein? Super bon. Tu sais qu'il faut manger pour vivre, mais nous autres, on dirait qu'on vit pour ça. La nourriture, ça remplace pas tout, hein? Si j'avais pas la nourriture, là. Tu fais de rire de moi à l'école, hein? La patate, le baquet, le gros tas. C'est un peu de coke, là. J'ai jamais de blonde. Même pas d'amis. C'est ça que je mange. Ce que j'aime le plus au monde. Sucré, salé, gâteau et lard. Je suis comme un alcoolique. Je ne sais pas si je mange parce que j'ai de la peine ou j'ai de la peine parce que je mange. Ça fait que je mange tout le temps. Ça va faire du sport, hein? Payer un abonnement dans un club de bodybuilder pour tes jeunes. Père. Je suis déjà allé dans ces clubs-là de bodybuilder. Autant ils aiment les muscles, autant ils aiment la graisse, ça fait pas maigrir. Non, tu sors de là, t'as plus ta graisse molle, t'as ta belle graisse dure. Moi, mais c'est héréditaire, je tiens ça de main, rien à faire. Je suis pareil. Ben, y penser, là. Je mange pour les mêmes raisons qu'un alcoolique bourré. Pas me colissant en bas du bonjour quartier. On va dire, là. Une tasse de crème à 35 % 822 calories. 8 cuisses de poulet cuites à l'eau sans la peau. 90 calories. Oui. Un teint de 45 sous qu'on lèche pour le coller sur une enveloppe. 007 calories. Oh. Une tasse de crème glacée. Ben, les filles, là, moi, les calories, c'est fini. Je veux pas vous rendre jalouse, mais au moins, ça marche. Un matin, là, je m'embarque sur la balance. 3 lits dans 3 jours. Ah, hey, c'est beau! C'est de l'eau. Tu perds ton eau, puis après, tu vas perdre tes muscles. Oh, tu vas maigrir, mais tu vas tout ramollir. Moi, ce que j'ai trouvé de mieux pour maigrir, là, c'est le miroir. Ben moi, ça fait longtemps, je me regarde plus dans le miroir. Tu te mets tout nu, là. Un miroir devant toi, c'est la table où tu manges, puis tu te regardes manger. T'as tes cœurs raides. Hey, c'est bon, ça, je vais essayer ça. Oui, mais c'est pas tous les restaurants qui veulent. Ben, Lisa, c'est toi. Mon mari est parti. Ah! T'as un écœur, hein? Oh, oh, non, non. Toi. Lui, il est bien correct, là. Ah non? C'est moi. Et je les connais, ses goûts, hein? J'avais juste à faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Elle me l'avait bien dit aussi. Si tu m'aimais, tu maigrirais. J'ai pas été capable. Ben, vous... Je suis pas capable. Tu sais, j'ai fait honte avec mon gros ventre, mes grosses cuisses, ma cellulite. Ah, voyons d'autres aussi, fait honte, ce gros tas-là, il s'est pas vu. Ah. Oui, mais lui, c'est pas pareil. Lui, son plaisir à lui, là, c'est de me montrer à ses amis. Je suis pas montrable. Oh, ben lâche-moi, toi, si toi, t'es pas montrable. Hey, moi, je suis pas montrable, pas toi. Mais là, tu sais aussi qui sont les filles montrables? Des magazines! Ben, c'est pas possible. Je vais te dire que j'avais perdu mon compte, tu vois. J'ai assez de temps de tes livres. Et où t'allais, tous les jours? J'avais un tour. 8 à 5. Un grand tour, ça? Ouais. J'arrêtais de voir danser le tango chez ta sœur. Même que j'ai appris un peu, puis donné un coup de main, là, quand t'as pas assez d'hommes. Tu danses avec des filles? Ben, le tango, tu sais. Y'a pas de gars! Ouais, puis quoi? Ça te permet de serrer des petites tailles dans tes mains, hein, puis de te frotter sur des boules de chapelet. Ah ouais? Mais non, non. C'est ça, ben, je suis payé, tu parles bien. Toi, t'es payé? Ben, comme je connais Jocelyn, ça me surprendrait. Toi, ça te choque pas, là, que j'ai plus de contrat, toi? Je suis tellement heureuse. Que j'ai perdu ma job? Non, d'avoir maigri. J'ai perdu 6 livres. Ça marche, Biomince. C'est perdu 6 livres, où ça? Regarde.
Regarde! Regarde, je flotte dans mon linge! Regarde, j'ai maigri! Maigri, hein? Ça paraît pas? Ah ouais. Ça paraît pas. Ouais. Je sais ce qu'il veut dire, ce oui-là. C'est un oui pour t'as débarrassé. J'ai pas un compas dans l'œil, moi. Je sais-tu, moi, si t'as perdu tes livres dans le tas. Tu pourrais m'encourager? T'encourages pas. Je mangeais toute la viande, je m'en vais étudier. Hey, monte ça, toi, là! Ça monte! Ouais, pis ça, là! Regarde, en-dessous des patates, là, qu'est-ce qu'il y a, là? Tu vas t'asseoir, pis tu vas tout manger ton assiette. La porcelaine, je dis genre pas ça. Donne, mon ami. Ah, oui? Donne. Non! Toi, là, tu en as pris deux fois. Assis-toi, pis mange. Papa. Je me mêle pas de ça. Ah, oui? Mange, il faut que tu manges. Tu mourras pas de faim en face, toi. Contente, là? Oui. Je vais tout vomir. Oh, comment? Ben, fais quelque chose, parce que c'est ça. Qu'est-ce que là, là? Toi, là! Règle-moi de patience, OK? L'air pas supposé être agréable. J'ai rendu que t'es un champ de bataille ici. On mange en paix, moi. J'aime ça mince. Faudrait être épaisse pour voir l'allusion. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit j'aime ça mince. Je vous visais pas. C'est monsieur, c'est pas ça que ma mère voulait dire. Ben c'est quoi son problème à ta mère? Elle est donc bien susceptible. Si elle aime pas ça travailler avec le public, ben qu'elle change de job. Monsieur, est-ce que je peux vous aider, moi? Laissez faire, je vais aller acheter ma viande ailleurs. Monsieur, c'est parce que ma mère a... C'est quoi mon problème? Monsieur, ma mère a pogné les nerfs à rien ces temps-ci. C'est à cause de sa ménopause. Bon débarras! J'aime ça mince. Ouais, c'est bien, non? Tu me visais pas, non? Viens! Oh mon Dieu, hey, tourne-toi! Qu'est-ce que j'ai? Oh, ben là! Mais t'as ton sein, mais gris! Ben oui, t'as fondu! Ça paraît tant que ça! Ça paraît! Regarde-toi bien! Qu'est-ce que tu fais? C'est rien que ça! Ça continue. Et là, hey, t'es capable de manger juste ça, hein? Une soupe, une gélule, trois fois par jour, c'est ça? Oui, puis j'ai même pas faim. Oh, jaloux! Hey, sais-tu s'ils font des gélules pour celles qui veulent engraisser? Je vais en parler à José. Oh oui, s'il te plaît, parce que moi, je suis un petit peu tannée des gratinés à baignoire avec les os de mes fesses. Juste manger une soupe, puis une gélule, puis tu maigris. Oui. C'est extraordinaire. Pis t'as pas faim. On peut-tu en avoir, nous autres aussi? Allez, fille, mon mari, là, il m'a pas encore remplacé, hein? Si je commençais tout de suite, là, je pourrais peut-être maigrir pour Noël pis m'acheter une belle petite robe sexy comme il est. Te sens-tu bien? Je me sens légère, là, aux oiseaux. Pis t'as pas faim. Hey, tu me jures que t'as pas faim. Tu t'habitues à avoir faim tout le temps? Pis tu viens que ça te bordera plus? T'es comme dans un état second, là. Puis, t'as pas le goût de sucré, là? Ni de salé.
La poutine. J'ai juste ce goût d'être mince. Puis svelte. L'adresse de ta madame, s'il vous plaît. Bio-mince, tu dis? Les filles, on ferme de bonne heure. On y va ce soir. On y va tout de suite. Moi, là, je m'en vais m'acheter mon string. Hey, je vais retrouver mon mari. Pour fin, t'es ça. Une petite génoise. Oh, merci. Oh! Oh! Juste avoir de la volonté. Oh! Allô, la maisonnée! Tant qu'à souper tout seul, je me paye le restaurant ce soir. Je pouvais pas t'inviter, tu manges pas. Salut. De manger. Trois Big Mac, trois frites, trois coques, pas de diète. T'as un petit écureuil, hein? Tu fais des réserves, pas manquer. Je veux mourir, Gilbert. Je mérite pas de vivre. On meurt de faim, pas de manger. On meurt de honte. Je meurs de honte. Tiens, arrête ça, là. J'ai honte de moi. Oh, moi, je tenais. De ma graisse, oui, je le sais. Non, du plat que tu fais avec ta graisse. Ma graisse, c'est pas moi. C'est un monstre qui a pris possession de moi. Je vais m'en débarrasser. Puis la tienne mince va apparaître. Puis tu vas pouvoir y serrer à taille. Tu vas pouvoir la porter, la bercer, puis l'habiller. Je vais être ta Barbie. Barbie, ça, c'est un monstre pour toi. Je vais être ta Barbie. Je vais être ta Barbie. Tu t'es pas virée folle, Diane. Aide-moi. Je sais plus comment faire ça, moi. Bon, c'est ça. Va danser avec tes cure-dents. C'est tellement maigre. Ça, c'est même pas baisé. Le voyage est encore temps. Quand j'aurai assez maigri, okay. Moi, j'y vais d'abord. OK. Je vais y aller avec quelqu'un d'autre. Vas-y avec une danseuse. Laisse danseuse, si tu veux. Vous me sac. Amenez ta sœur. Ha ha ha!